je vois que mes pieds de haricot ont été grignotés. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Il est possible que ces trous viennent des perce-oreilles que tu avais vus dans ton potager. Mais ce n'est qu'une théorie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça ? Je vous rappelle qu'on est dans un projet éducation-développement durable, ce qui veut dire que j'aimerais utiliser dans mon jardin des produits qui ne sont pas dangereux pour la nature. Des idées ? Bon, bah c'est pas tout, mais il pleut.